Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce particulière car je vais vous montrer comment récupérer vos armes, par exemple celles que vous avez eues avec les amiibo et que vous avez cassées. Alors, on se trouve où? Donc on se trouve dans les profondeurs. J'ai fait une soluce qui s'appelle l'appel des profondeurs que je vous recommande et qui vous amène à une statue de génie. Alors, je vous montre, cette statue se trouve ici. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Déjà, dans Breath of the Wild, lorsqu'on avait, par exemple, une épée sur le point de se casser ou une épée rouillée, on la jetait dans la gueule d'un octo et ça nous la rendait, ça rendait l'épée rouillée toute neuve, toute bien. Et pareil, lorsqu'un bouclier ou une arme est prête à se casser, son bras se casser, il faut le balancer dans la bouche d'un octo. Alors, moi, à titre personnel, c'est une technique que je maîtrise une fois sur 20. Au mieux, je le balance dans la tête de l'octo et je le tue. Donc voilà, au pire, je perds totalement mon arme et je suis super énervée. Donc, il y a des armes que j'aime particulièrement, celles que j'obtiens avec mes amiibo. Alors attention, elles sont. J'ai cru entendre, et puis j'en ai eu, via le jeu. Apparemment, tout est obtenable dans le jeu. Moi, je les ai eues via les amiibo, donc je ne cherche pas plus que ça, même si ça m'est arrivé d'ouvrir des coffres où ils y étaient. Donc voilà, si par exemple vous avez, je ne sais pas, cassé votre épée du roi démon, vous allez prier à une de ces statues. Bon, évidemment, il faut avoir terminé la soluce dont je vous parlais précédemment. Et là, donc au-delà du fait qu'on peut obtenir des choses vraiment sympas, hein, la tunique noire, le pantalon noir, enfin ouais, pas mal de choses, on peut aller récupérer tout ce qu'on a déjà obtenu. Vous voyez? Et également les armes. Moi, l'espadon du dieu démon, c'est totalement mon épée préférée dans Breath of the Wild. J'avais vraiment la totale, la tenue dieu démon avec l'espadon. Ouais, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et je la casse malheureusement souvent. Donc voilà, si vous voulez venir récupérer vos épées, vos armes préférées, c'est par ici que ça se passe. Donc moyennant bien évidemment des esprits. Par exemple, le bouclier du vent marin que j'utilise énormément, donc que je casse également. Donc je viens le récupérer ici. Voilà, si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.